YouTube et bienvenue pour cette rediffusion d'une autre Sauberry. J'espère que vous allez très bien. Voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, nous allons, j'espère, avancer zenement, zen attitude, dans la mission de Génération Pêche avec Totoya. Comme vous pouvez le voir ici, il y a eu des portraits de fées. Le chat a voté pour le nouveau portrait. Il est installé avec les autres. Mais là, comme il fait nuit, on va attendre qu'il fasse un peu jour, tout ça, pour que je vous le montre correctement. Pour que vous puissiez voir ce qui a été préféré par le chat. Comme ça, si vous aimez pas, et ben vous en prenez au chat. Pas le, les miens, ceux qui sont là, là, ceux qui sont écrits là-bas, là. Voilà, c'est eux les méchants. Oui, je suis de Castres Ice Fou. Oh putain. On parle d'accent ici, on m'a dit que je faisais le... que le putain con, comme je le disais, ça faisait Tarn. Et moi je ne savais pas et je croyais que c'était le Marseille. Oh, et je suis jamais allée dans les Tarn, moi. Je sais même pas où c'est. Tabarnak. Bonne nuit Lydie. Oh Lydie, elle part toujours avant que ça commence. Tellement je dis du n'importe quoi avant, la pauvre. Elle doit se dire, mais qu'est-ce que je m'ennuie? Je préfère partir. Alors, on a relooké le Hulk. Comme vous pouvez le voir, le Hulk est vert. Du moins, habillé en vert. On n'est même pas méchant, wesh. Venez en bout de le chat. Bout de le chat. Oh, ah non, moi, si vous boudez le chat, moi je vous boude tout court. Et salut Sarah, comment vas-tu? T'as grandi à Castres? Tant que vous êtes pas castré. Padadam, pshh. Je sais. Oh non, non, c'est bon, n'applaudissez pas, c'est bon. C'est... Oh, je devrais mettre le truc applaudissement, tiens. Comme ça, ça, vous pourrez m'applaudir. Hein? Vous m'applaudirez souvent, n'est-ce pas? J'espère bien. Donc, notre ami le Hulk a bien un menton en pointe. Il a des yeux qui tombent. J'adore rire. Ouais, moi aussi. Et il a un front reculé, donc c'est pas encore terrible ce qu'il y a là, mais on verra ça quand ils seront tous les trois adolescents. J'ai encore viré le tapis. Oh j'en ai. Il me saoule ce tapis, tapis d'université. Il me casse les pieds. Bah tu fais, tu me fais le ménage wesh. Bon elle mange. Jeannette, ouais, va pisser. Ok, alors il est jeudi, ça va être l'école. Ah, il fait jour. Il fait jour, les enfants. Il fait jour, toujours. Voici notre mur des portraits des héritiers, hein, comme vous l'avez déjà vu moult fois. Et il y a un petit portrait qui a fait son apparition. Puisque c'est notre ami Toya. Eh ouais. Oh, beau gosse, hein. Oh là là, tabarnak. Il mange les fleurs, là. Vas-y, mange-moi la fleur, chérie. Derrière son père, son grand-père. Wow. Son arrière-grand-mère, son arrière-arrière-grand-mère, son arrière-arrière-arrière-grand-père, son arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père et son arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère. Voilà, ça fait une belle brochette quand même. Et ça va... Ah ! Pardon. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal quand même, non ? Hein, il est canon ? Bah ouais, bah écoute. C'est des bons gènes, ça, hein. C'est... Il avait un bon papa aussi, hein. Ça vient de Pepper, tout ça. Hein. 5 mecs. 3 filles. Et après, quand même, on me dit sur YouTube, ah, moi, je veux un homme en héritier, ça change. Ouais, ça change, ouais. J'ai l'impression que j'ai que des mecs en héritier en ce moment. Bon, ça change, là. Il va y avoir, sur le Legacy, en tout cas, qu'on fait en parallèle sur Twitch. Nous avions eu encore un garçon, hein, c'était un garçon, et là c'est sa fille qui prend la suite. Donc ça va faire du bien aussi. Comment on a une heure? Toi on te loupe pas, il faut qu'on aille bosser avec toi. Alors,
Totoya est niveau 9 de détective. Nous sommes à un niveau de finir. Shkishwange. Qu'est-ce que tu vas faire? Non, non, tu pièges que dalle. Tu vas aller courir. Tu vas pas piéger les toilettes, c'est les tiens. Idiot, tu vas faire caca dessus après. T'es un peu bête quand même. Et toi, tu vas à l'école aussi. Allez, comme ça, vous allez faire connaissance avec des gens. Hein, des futurs copains, copines, petits amis potentiels. Et puis, lui, il va faire un peu de sport parce qu'il commence à être grassouillé. Hein, et puis, s'il veut retrouver une meuf... D'ailleurs, aujourd'hui, on va voter. Hein, vous allez voter pour savoir qui sera... Qui sera... Qui sera... Qui sera... Qui sera la petite amie de Toya? Celle qui remplira son cœur et son lit après sa mère et sa sœur. Je sais pas, mais qui sera, oui, qui sera? C'est ça. Merci Tinouille pour cette ce nouvel abonnement, ce Merci Tinouille pour ce réabonnement, ce resub. Merci beaucoup. Tout le monde, agent 21, boule. Agent 21, boule. Merci beaucoup pour ton 6e mois d'abonnement et donc 2 mois consécutifs. Gros bisous à toi, Smiley et Boule. Et merci pour le soutien-gorge, évidemment. Ça fait plaisir. Percy n'a pas été héritier. Bravo, mon soldat, pour le spoil. Oui, bon, ça fait une semaine. Mais comme même, hein. Salut Louis, comment vas-tu? Quand je dis un mec ça change, c'est pour le Lord and Lady et pour le NSB, je suis d'accord, il y en a eu assez. Non mais après, il n'y a pas que toi, ou vous n'êtes pas que deux à avoir fait cette réflexion. Dans les commentaires, il y a eu pas mal. Hein. C'est pour ça, oh oui, non mais pour le Lord and Lady, on a eu que 2 héritiers. C'est pas non plus un truc où, genre, ça fait 10 ans qu'on a que des femelles en fait. Non, non, là on en a eu 2, donc en même temps... Ah ouais, j'étais étonnée quand même, je me suis dit... Je pense que Percy va gagner, il va très réussir à percer. Bon, bah, il n'a pas réussi à percer jusqu'au bout, hein, mais... Voilà. Ça va, Tinouille, ça va? Alors... Ah, on avait commencé déjà! On avait déjà commencé. On va analyser une pruve. Parce que nous sommes comme ça, un analyseur de pruve. Le Hulk a rencontré Jérôme. Commence déjà. Je suis pas d'accord que ma Sacha devienne boniche. Ma Phoebe, pas Sacha. Ah bah... Ce sera au bon plaisir du chat. Hein. Ce sera pas moi qui vais choisir. Mais non, c'est parce qu'elle est belle. C'est pour ça. Hein. On se dit que... Elle peut très bien faire office de remplaçage. Oh là là, ils sont tous vieux. Oh, est-ce qu'on... Prédiction, Marie. Prédiction. Est-ce qu'on va avoir un mort aujourd'hui dans la cellule? Ouais. Va-t-on avoir un mort aujourd'hui dans la cellule vu qu'ils sont tous vieux? Je veux bien que vous pariez quelques-uns de vos petits points pour savoir si l'un de vous va gagner. Souvenez-vous, on ne pensait pas avoir gagné le million de la loterie, pourtant... Et pourtant, elle était belle, le crayon. Ne voyez qu'elle. Mais oui, non, mais Marie, elle est plus là. J'ai oublié. Voilà. C'est ça qu'on n'a pas de modo. J'ai oublié qu'elle était partie. Oh là là, tabarnak. Bon, c'est pas grave, on va commencer une nouvelle prédit. Alors. Bon, j'ai mis un mort, j'espère que ça va passer. Non, parce que, en fait, à part l'outil de Twitch qui dit quand même 1m5 minutes. 1m5 minutes. Ah, c'est bon, ça passe. C'est parti pour la prédiction. Est-ce qu'on va avoir un mort parmi ces 4 prisonniers qui sont là depuis très longtemps, tellement qu'ils sont devenus vieux? Est-ce qu'il y en a un qui va clamser aujourd'hui dans le live ou pas du tout? C'est parti, hein, vous pouvez voter. Enfin, voter.
balancez vos points pour voir si vous allez gagner ou pas. Et ça, c'est pas mal. Ils peuvent mourir dans la cellule. Bah, bien sûr, même Yoda, regarde, des fois, tu vas dans un parc et t'as quelqu'un qui meurt comme ça sur le parquet. Tu vas dans une cérémonie quelconque, dans un bar, tu organises un mariage, t'as le machin qui clinque. Non, bah, bien sûr. Elle a joué, j'avais oublié. Faut tout faire soi-même, t'as vu mon soldat où j'en suis rendu, franchement. Ah mais castresse, c'est un vrai mot? C'est un vrai mot, castresse. Ça fait très castré, hein. Castration, tout ça, tu vois. C'est... Vous avez une ville qui s'appelle Castration, je pense, non? Allez, maintenant que vous avez commencé à prédire, alors pour le chat, pour YouTube, pardon, nous avons 21% sur oui et 79% sur non pour le mort dans la cellule pour l'instant. Voilà. Et Nico Alas, il a quand même balancé 43 147 points sur le non. Toi, t'es riche, la vache. Et pour le oui, c'est Marine avec 6600 points qui a mis le plus... C'est bien, vous avez encore quelques temps pour juger, jauger, tout ça. Où est-il? Eh oui, niveau supérieur de la logique. Ta-ta-ta-ta! Ne bouge pas, tu dois réanalyser. Analysons. Et pas anabolisons. Je crois que ce soir, ton live est un live de sudiste. Je ne sais pas. Une fois, il y avait eu 5 Céline en même temps. Ça, par contre, je m'en souviens. Et je sais qu'il y a au moins 2 ou 3 Quentin. Quand ils sont en même temps, c'est pas mal non plus, ça. Je pense que jusqu'à la fin du live... Ah oui, jusqu'à la fin du live, ouais, tout à fait. Enfin, du moins de notre Soberry, évidemment. Mais c'est pas possible, il y a une grosse commu casse 13. Ouais, oui, mais écoute... Parce qu'il y en a qui parlent pas, mais peut-être qu'ils sont de Paris, peut-être qu'ils sont du Nord, qu'ils sont de Normandie, qu'ils sont de Bretagne. On sait pas. Non, c'est aujourd'hui, aujourd'hui. Pas Sims. Aujourd'hui. Le Sud héros, et alors vous en avez des héros? Des héros ou des héros? J'ai l'impression de me faire bouffer par plein de bêtes. J'ai mon petit chaton qui fait dodo, il est trop cute. Pourquoi il a peur? Ah, c'est un orage? Ça va. C'est pas incroyable non plus, Jean-Guy, quoi. D'ailleurs, c'est le chef qui peut claquer avant, hein, c'est pas, hein. Le chef aussi, il est vieux, hein. Maintenant, Toya, il va attendre que ça. Il va arriver à la carrière numéro 10 au moment où le chef va claquer, quoi. T'es de Belgique? Ah ouais, il y en a beaucoup de Belges aussi, hein. Ah, Cathy, les Normandies. Les Sud et Hautes-Pyrénées. Je pose la question après avoir voté, moi. Bah oui, bah banner, moi, franchement. L'Ardèche. L'Ardèche, c'est dans le Sud, ça, non? Alors, on va ajouter des indices, par contre, maintenant, hein. Oh, regardez, cette belle rouquine! Est-ce qu'on la prend? Est-ce qu'on la retire? Non. Non, elle est mariée. Pourquoi elle est triste? Ah, j'ai enlevé les... Excusez-moi. Je me suis trompée. Ouais, oh, je sais plus écrire. Voilà. Je me suis trompée. Elle est triste. Non, mais d'où tu bois de l'eau, toi? Aïe, je vous jure, je vais... Comparer les informations, regardez un ordinateur de près. Oh, incroyable. Un ordinateur de libre, c'est... Casse-toi. Toi, tu t'en vas. Ah, oui, voilà, tu vas prendre ta voiture, t'as décapotable rouge, c'est bien. Et voilà, il y a des Belges aussi, région parisienne. Mais t'as une piscine en région parisienne, coco. Je vais venir, hein, fais gaffe. Hein. Prochaine grosse chaleur, je débarque chez toi.
Le Hulk a rencontré Jeanne. Et Opaline a rencontré Alexandra. Alexandrie, Alexandra, Alexandrie, où l'amour danse autour de toi. J'ai plus d'appétit. Je suis jamais allée en Ardèche. L'Ardèche, elle est au jeu pendant l'apéro live. Bah voyons. Franchement, je me dis que j'ai vraiment une vie pourrie, moi. La vache, vous avez pas idée. Il y en a qui ont beaucoup trop de chance dans leur vie. C'est pas juste, hein. Il faut en donner aux autres. Là, je sais trop bien, mais je suis pas objectif du coup. Tu vis à Paris? Ouais, oui, c'est bien Paris aussi. Ah, ça a quand même beaucoup d'inconvénients, mais ça a beaucoup de qualités quand même. Hein. C'est pas la même vie, hein. Ça, c'est clair de toute façon. Attends le temps chaud qu'elle a refroidi. Ouais, t'inquiète. Avec moi, ça va bouillonner. Je ne te ferai pas l'affront de me voir en maillot de bain. Non. Ni à moi-même, je ne me ferai pas l'affront de me voir en maillot de bain. Allez, on va encore ajouter des indices. Et après, on pourra aller tranquillement sur la scène de crime. Il faut qu'ils discutent de l'affaire avec des collègues. On va prendre cette collègue-là, bizarrement. Elle est disponible. En plus, elle est sympa. Elle est en train de traîner sur Internet, là. Elle fout rien, là. Pourquoi elle fait des recherches sur des droïdes, là? On la voit, hein. Chelou, cette fille. Alors, le suspect porte un short. C'est incroyable, cette histoire. Il pleut dans la ville comme chez moi? Je pense pas qu'il pleuve, moi. Ah, t'as quoi ajouter? Pardon. Cette mère partir au boulot et son fils ado se retrouve seul. Ouais, mais ça va, ado, ils peuvent vivre tout seuls parce que sinon, voilà quoi. Allez, patrouiller. Voilà, patrouille. On va la patte patrouille. Alors, il fait peut-être un peu frisquette, hein, mon petit Toyen. Qu'est-ce que tu vas faire? Prends place dans la queue, piste facile. Ah bah vas-y, fais-toi plaisir si tu veux aller faire du ski. Bon, rigole un petit peu. C'est pas vraiment dans ton attribution, je pense, mais bon, c'est pas grave. Le flic qui fait du ski, quoi. Ah bah non, il s'est changé quand même. Ah oui, c'est vrai que ça balance comme ça. Je suis pas très fan de la caméra comme ça, en vrai. Attendez. Non mais, vous voyez, c'est un peu pourrave, je trouve. Ah bah oui. Vous me direz, je ferais pas mieux. Mais moi, je suis pas folle. Je vais pas faire de ski. Le ski, c'est nul. Toya n'a pas l'air de passer un bon moment. Doit-il obtenir la préférence? N'aime pas le ski. Ah là là. Qu'est-ce qu'on fait? Je cracherai pas sur Paris, ça me permet d'avoir du boulot, mais je préfère, j'ai vécu depuis toujours. Bah non, mais je comprends. Dourdan. Anthony, t'habites à Anthony, celle-là? Pardon. Bon, après, tu l'as écrit. Alors, s'il aime... Alors, attention, si on dit oui, c'est qu'il n'aime pas le ski, hein. Oui, il aime pas le ski, oui, oui. Non, il aime pas le ski, c'est nul. Bon, on est sur la préférence, n'aime pas le ski, hein, on est d'accord. Hein. Parce que je me trompe pas cette fois-ci. Hein. Voilà, il aime pas le ski. Le Hulk est le retour de l'école. Bah maintenant, il retournera plus, hein, faire du ski. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Discuter avec des civils et émettre un procès verbal. Alors, on va discuter avec lui.
Présentation amusante. D'accord. Il a rien fait pourtant, mais il a validé. Et est-ce qu'on voit des gens qui se vénèrent un petit peu pour leur... qui se tapent dessus ? Oh, vas-y Melba, on va discuter avec Melba. Longtemps que j'ai pas été au Monkomorebi, moi je vous le dis. Hein. Non mais vas-y en fait, parce que là les gens ils sont chiants. Bonjour madame. Cathy Petit, non moi, je connaissais Cathy Perry mais... Oula, ouh là là, elle est prise de beauté ici. Hein. Ouf. OMG, prise de beauté. Bah il est là finalement. Tabarnak. Salut Yoshi, comment tu vas? Eh ben ouais, non mais moi vous m'avez dit oui, ça veut dire oui hein, tant pis hein. Hein bon. Bon, et tu vas dire bonjour à elle aussi. Vas-y, raccroche à ta sœur, on s'en fout. Mais il va jamais parler aux gens là? Si, c'est bon. Mais c'est quoi cette patrouille? Ah non, c'est la... discuter avec plus de civils. Bah ouais, mais... mais d'être un procès verbal, bah je veux bien, mais y a personne qui se castagne. Qu'est-ce que tu veux faire? Lui, il veut pas parler. Et on va parler à lui. Parce qu'il arrive, donc c'est plus facile. Bon, il s'est fait bobo, hein. Blessé, contusé. Oh, bichette. Merde, pardon. Tu as la présentation amicale. Quel look. Oh, ça c'était un beau crash quand même. Émettre un procès verbal et retourner au commissariat. Mais il n'y a personne qui se bat. C'est pas drôle, tu vois. Nous on aime bien quand ils se tapent dessus. Parce que ça fait des vues. Bon bah écoutez... Je peux pas mettre un PV comme ça, juste pour le plaisir de mettre un PV. Vas-y, il est chiant, lui. Je t'ai rentré par derrière, dis-moi de ne pas t'a ta mère. Oh, oh, tu as un champignon dans les trois jambes. T'as un champignon tout rond. Ah non, c'est pas un champi, excuse-moi, c'était une dame. J'avais pas vu. Ça va Yoshi. Il peut aimer la luge, le snowboard ou l'escalade, certes. Ouais, bah un autre champi. Ah bah il a envie de parler à Madame Champi. Ah non, c'est pas Madame Champi, c'est l'autre. Ouah. On s'en fiche, de toute façon il va être 17h. Il va rentrer. ...2132 simflouz et un jour de vacances en plus. Ça va, c'est une petite journée qu'on a fait quand même. Une toute petite, petite, petite journée. Enfin, on n'a pas travaillé beaucoup. Oh, ma fille! Oh, ma fille, est-ce que tu as bien travaillé à l'école? Sinon, je t'en colle une. Il passe de la neige... Ah, la pleine chaleur caniculaire, quoi. Il va crever de chaud, hein, regardez comment il est habillé. Mets-toi nu, Toya. N'hésite pas. Désappe-toi. Run, janky hop. Wouhou. Du coup, personne n'est mort. Bah, c'est à la fin du live d'aujourd'hui, hein. Ça va, Yoshi, ça va, tranquille. Voilà, là, il a un sacré look, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Bah tu vas aller aux toilettes, tu vas manger, tu vas préparer à manger parce que t'as des enfants à nourrir puisque tu es seule. Servir le dîner, des gnocchis à la courge, il faut les habituer à manger des légumes tes gosses quand même. Comme même. Elle fait... D'accord, à toi. Ok, bah écoutez, pourquoi pas. Mais ils vont tous aller faire leur devoir surtout, moi je vous le dis.
Réussir au la main. Eh, elle a déjà fait ses devoirs, celle-ci? Mais par quel miracle? Bah du coup, voilà, bah, il a cassé les trucs, forcément. Ah, sacré Toya, va. On va voir ton petit cul, Toya. Oh là là! Il est là, regarde. Bon, c'est pas très appétissant, hein. C'est plat. C'est des pixels, hein. Et voilà, vous voulez le voir, vous le voyez. Ah, ça se dandine, hein! Ah oui, là, ça se dandine, hein. Écoutez, le live, ce stream de qualité vous a été proposé par Yoshi. J'espère que vous appréciez. Ah oui, bah ça! Hein? Waouh, hein! C'est clair, hein! Gameplay incroyable, de qualité. N'hésitez pas à follow et à vous abonner. Ça fait plaisir. Si vous aussi, vous voulez voir des fessards de plus près, c'est par ici que ça se passe, hein. Ouais. Bon, il est trop loin maintenant. C'est un peu moins intéressant. Et du coup, elle, elle fait quoi? Mais si elle vient faire cette... Ah, parce qu'elle était dans l'eau, cette gourchasse. Viens ici. On va faire tes devoirs. Salut mon fils. On va te faire... On va te passer un savon. Le gamin, il a rien fait, il se fait engueuler, quoi. Par Yoshi, Miss Shirley a pas dit non. Bah écoute, faut bien de temps en temps. Hein. On a maté son père sous toutes les coutures. Pourquoi pas lui, j'ai envie de te dire. Salut Nako, comment vas-tu? Désolé, mais il y a eu un mort dans la cellule. Mais non, mais j'ai... Vous avez pas compris, je parlais de la journée du live aujourd'hui. Pas... juste un mort dans la cellule, quoi, en fait. C'est... Aujourd'hui. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, nous mercredi. Jusqu'au dodo. On va pas faire un live, une prédiction sur chaque journée qu'on va passer au commissariat. On va faire long quand même. Ah, on verra parce que de vendredi, après il travaille pas pendant 2 jours. En vrai, t'es pas toute seule, hein. Il y en a plein qui ont pas compris. Ça va, Nako, ça va? Parmi le chat qui regarde le chat, c'est ça? Il n'y a pas que son père qu'on a maté, non, ça c'est sûr. Mais bon, Chamallow, il était pas désagréable. Hein. Tiens, c'est le chef! J'ai entendu dire que Jenny Leroy était devenue ton amie. Tu es de plus en plus populaire, clairement, c'est une bonne chose de te connaître. Bah oui, le chef. Quand est-ce que tu meurs, le chef? Qu'est-ce qu'il y a qui est cramé? C'est le frigo qui est cramé. 875. Ah! Ah, c'est vrai qu'il faut qu'ils se mettent en couple, là. Il faut faire, faire le ménage. Il y a personne qui a compris, mais je sais pas m'exprimer. C'est dingue, ça. C'est dingue. Je ne sais pas m'exprimationner. Bah, écoute... ah bah, il fait le ménage. Bah, regardez, c'est lui qui le fait, le ménage. Va marcher dessus, si tu veux. Ah, je crois que c'était un jour d'être... Mais non, mais je l'ai dit tout à l'heure quand Banner elle a posé la question. Je voulais dire non, ça fait... C'est tout le live, en fait. Mais j'ai marqué quoi? J'ai marqué aujourd'hui? Mais aujourd'hui, c'est dans la vraie vie? Bah oui, le temps du live, oui, tout à fait, petit cœur. C'est ça? Oh là là. Et merci, Mimi, pour ton follow. Bienvenue à toi. Ah là 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 là, je vais mettre les sous-titres la prochaine fois. Mais de toute façon, je lui parle de faire le ménage, il le fait. Hein. Quoi? Bah si tu veux tes sponges... Non, on va envoyer une de tes filles, ça lui apprendra la responsabilité. C'est vrai en plus, hein. Qu'est-ce que tu veux faire, toi? Utiliser.
Faut pas de conneries. Ah bon. N'hésite pas à aller aux toilettes au lieu d'aller dormir. Je te vois, toi, faire des... Tu prends pas les bonnes décisions, mon petit. Bon. Totoya. Prenons donc ton carnet d'adresse. Ton carnet d'adresse qui est bien rempli de diverses personnes variées et avariées. Tu vas inviter Jenny, qui était la seconde. Et on va inviter Phoebe également. Puisque... Et Astrée. Ah mais Astrée, elle a des gosses. Ah Astrée ! Astrée, elle est mariée. Enfin, c'est Yuna, mais c'est Astrée. Mais le bas, bah, on peut pas, c'est ta sœur. On peut le mettre en couple avec Omar, qui est son chef. Qui est crasseux et amoureux des chiens. Ah non, excusez-moi, il est déjà marié. Ah, quel dommage. Quel dommage. Et Madeleine est également maintenant mariée. Eh bah dis donc, ça va vite, hein, tout ça. Jenny et... Célib et Phoebe, apparemment, oui. Donc ça va bien se jouer entre les deux. T'as ton épreuve de bac demain ? Oh, tu creuses un peu, tu fais ça au milieu et tu recouvres. Ça devrait aller. Tu vas bien faire un Astrée. Eh ben écoute, elle fait sa propre famille, Astrée. Ça, vous allez pouvoir choisir entre les deux demoiselles. Salut, Janie. Janie on the block. Tu vas parler des rêves. Ouais, bon, elle attend que ça, en fait, hein. C'est-à-dire, ça y est, c'est lui, il est enfin seul. J'ai mis ma petite robe, là, mon petit décolleté. J'ai pas mis de culotte. Oh, bah, tu me diras, Phoebe, c'est pas plus mal, hein. Elle a sorti le mini-shot, hein. Ah, bah, dis donc. Non, mais... Tabarnak. De coquine. Aucun d'entre eux m'a surpassé. Bordeaux, c'était le meilleur. Bah, c'est vrai, Chavallo était deuxième dans mon cœur. Ah, Bordeaux, t'es plutôt pas mal, hein. Allez, les gamins sont au lit, et ben. Oh, puis j'ai encore les toilettes qui ont cassé. C'est pas vrai, hein. Je vais même pas gérer les gosses. Oh, ils sont tous partis se coucher. Allez, ça va être l'heure de la partouze pour papa. Qu'est-ce que tu fais ? Va y raconter des conneries. Il est où, Titi ? Je sais pas, il doit être dans la chambre. Yumbala, Bobby Rochefa. Rochefa. For moi. Mais quoi ? Mais y a rien. Vous voyez quelque chose, vous ? Non, est-ce qu'ils montrent là ? En général, ils sont à côté d'une tâche quand ils râlent comme ça, mais là, je vois R. Bon, je vois rien, perso. Je ne vois rien. Allez, assis-toi. Va falloir que tu fasses un choix, mon petit. Tu vas raconter quoi ? Complimenter la tenue et faire une imitation. Voilà. Ah, peut-être aussi apprendre leur trait de caractère, pourquoi pas. Je pense que Jenny, on la connaît un petit peu plus que l'autre. Discuter de son intérêt. Elle, on la connaît pas des masses, hein, si je dis pas de bêtises. Hop, discuter d'un certain intérêt et tu vas faire connaissance également. Voilà. Oh, excusez-moi. Bon, elle a encore le chat dans la tronche, la pauvre. C'est la génération sale, c'est ça, Coralie. Salut Léa, comment vas-tu? Je pense qu'on a appris un de ses traits. Elle est gourmande, la coquine! Elle a capté qu'il y avait de la saucisse gratuite ici. Alors, il y en a une, elle est à fond, c'est Jenny. Jenny, vas-y, vas-y, cocotte. Même si elle a invité une autre meuf, c'est maintenant que tu l'emballes, sinon tu l'auras jamais. C'est Jenny, ça tu devrais le savoir, et Phoebe. Et Phoebe Bouffet. Non, c'est Phoebe Halliwell, mais c'est Phoebe quand même.
Je préfère Phoebe Buffay. Voilà. Jenny et Phoebe, laquelle des deux aura le cul de Toya dans les mains? C'est au chat de choisir. C'est Jenny le roi, Leroy et Phoebe Halliwell. Elles sont toutes les deux adultes. Putain, il y a des poussières qui vont... C'est pas... Vous avez pas de poussière chez vous, hein, c'est dans le jeu. Je suis sur pause, mais je vois les poussières qui se baladent. Oh, c'est des orbes. Oh, vite, il faut appeler Jerry, le chasseur de buzz. Non, non, vous inquiétez pas, ça sert à rien d'écrire dans le chat. Vous avez un sondage qui s'est lancé au-dessus. N'hésitez pas à refresh la page Twitch. Mais il va se coucher, cet idiot. Pour tout simplement le voir si vous voulez voter. Sinon, vous assistez à l'assistance et vous saurez avec sauration qui sera la nouvelle chérie de notre Totoya national. Pas de soucis. Alors, Jenny on the block, on connaît pas son, du tout ses traits. Phoebe est gourmande. Comme même. Non, je pense que c'est la poussière qui le débecte. On va parler avec toutes les deux quand même. Demander de l'aide pour le ménage. Oh. Faudrait qu'on le fasse, ça d'ailleurs. Tu es tellement drôle, j'adore passer du temps avec toi. J'espère que c'est réciproque. T'as le droit de vote, Sarah. Super. Profites-en. Elle est chaude, hein, la Jenny. Hein. Laisse tomber. Hein. Évidemment, il n'y aura pas d'enfant. On en a déjà fait 3. J'ai pas envie de rempiler. Hein. Tout de suite. La période bambin et bébé est derrière nous. C'est très bien comme ça. Voilà, moi j'irai pas plus loin. Pourquoi? Bah parce que... C'est tout? Mais on connaît pas ses traits, elle! Ça me semble dingue, ça. Après, ça reste soft, hein. Ça reste soft, y a pas de patouze. Donc... Même si les gamines, elles voient que papa, il a invité des copines, ça reste des copines. Déjà, toi, tu vas te calmer direct, tu vas pas me boire ça. Et si tu veux, t'as qu'à passer le balai. Ou la spie, je sais plus. Demandez de l'aide à faire le ménage. Bah voilà, vous allez tous vous y mettre, les gosses, là. Ça vous fera les pieds, un peu. Elle est bienveillante! Tout mon contraire. Phoebe est bienveillante. Si ça se trouve, l'enfant de Jenny sera beau. Fait la conversation profonde, ça débloque souvent. Oui, ou bien connaître les centres d'intérêt ou faire connaissance. Ah, j'ai mal aux jambes. Oh, je sais pas pourquoi. Comme ça, je gigote dans tous les sens. Enseigner sur la carrière. Pourquoi elle reste dehors, elle aussi? Elle a rien compris au film, hein. Ah non, elle va prendre l'air parce qu'elle est tellement excitée. Qu'elle ne sait plus. D'accord. Ça va aller le coup pour donner un coup de brosse sur le barbecue. C'était très bien. Floopy. Elle est extravertie, Jenny. Ouais, détective. Gourmande et bienveillante. Ah, oh, elle est soignée. Soignée et extravertie. C'est bien, c'est des profils différents. T'es violente avec ces pauvres enfants. Mais jamais. Toujours à bon escient, voyons, quand même. Faut bien qu'ils servent un petit peu aussi, attends. C'est, moi je veux bien, mais elle est où Ouais. Qu'est-ce qu'elle fout là-haut, celle-ci? Bah, dis donc, ça va bien?
T'es pas encore chez toi ici, hein? Ils m'ont cassé les chiottes, mais c'est pas possible, ça. Comment ils font le ménage, eux, alors? C'est comme ça qu'ils font le ménage? Ça joue et ça bouffe? Très bien. Je vois le genre. Elle a besoin de se refroidir. Bah oui, hein, faut qu'elle se rafraîchisse un peu les idées, parce que... Oh là là, oh là là, Toya, Toya, oh mon dieu, oh Toya! Et c'est Jenny à 52%, c'est très très juste. Et c'est Jenny que vous avez choisi pour tout simplement être sa future. I am sorry Phoebe, but you have to go. Voilà, go away. Parce que Jenny, bah c'est ça, c'est, elle était excitée de Jenny en même temps. Soigner, c'est parfait pour son nouveau rôle, c'est ça. La boniche. Non, mais t'es... Tu peux rester un petit peu, cocotte. J'ai un truc à te dire. Ah, elle était sur le point la dernière fois d'être the one, to be the one. Tu vas aller dormir et toi aussi, parce que papa, il va passer aux choses sérieuses. Là. Il est presque 2h du matin, hein, faut peut-être que... Allez, on va parler du temps ensoleillé. Elle veut rester un petit peu. Elle est excitée. Comme une cocotte minute. Encore une blonde. Ah bah c'est vous qui avez choisi, hein, pour le coup. Hein. Ah bah, Jamie fait tomber des trucs. Ah, arrête de faire ta mijaurée. T'étais venu là, tu voulais que ça. Aïe, il va jeter son dévolu sur toi. T'attendais ça depuis tellement longtemps. Coquine. Ah là là, et la pauvre Manon, elle se retourne dans sa tombe qu'elle n'a pas. Quoi? Mon mari? Dès que je tourne le dos à la vie, il se met avec cette pimbèche qui me faisait déjà de l'ombre. Ah, c'est horrible, ça. C'est vrai que c'est horrible. Tu te dis, putain, le gars, il a pas... Il s'est mis en couple avec la meuf avec qui il hésitait, quoi. C'est horrible de faire ça dans la vraie vie. Romantique. On s'en fout, Manon. Oh, c'est sale. C'est sale. Et tu es sauvé, Phoebe. Pinkoya, Slump, Flangey. Floopy. Moosty. Oh, and Fora. Tja? Ah. Moonia. What's a boo? What's a boo? Ça fait très Paul Dark, ouais. Sauf que Manon, là, elle reviendra pas. Elle est hyper plate du ventre. Je pense qu'elle a des gros nénés, c'est pour ça. Oh, premier baiser. Premier baiser. Échangé dans le salon en pleine nuit. Ah bah même pas. Non bah finalement il va même pas l'embrasser. Non. Il a plus la force là. Il dit ouais mais si je l'embrasse maintenant, c'est-à-dire qu'il faut que je la retourne juste après. Moi je suis fatiguée, hein. Demain j'ai taf et tout. Ça merde, hein. Elle attend que ça la chaudasse. Allez, casse-toi, on va se coucher, nous. On la reverra, ils vont faire ça bien, un rancard et tout, ça va. Elle reviendra, hein, c'est pas un souci. Doucement mais sûrement. Wow. Alors d'ailleurs, on en profite pour sauvegarder avant que le jeu plante, ou que mon live plante, ou que mon PC plante.
Mais Denise, the sister of Brian, is in the kitchen. Son nom lui va bien du coup. Le roi? Qui c'est qui se lève? C'est pom 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 pom, elle pue! Ah non, pas le tapis. Ah oh, bah j'arrive pas à le remettre, tant pis. T'en prends une douche. Ah oui, tu pues, hein? Bah oui. Allez, va. Tu chingues la mortadelle et toi tu vas les bouffer. Le Hulk. Le Hulk va manger. Le Hulk. Le Hulk. Le Hulk est très énervé. Le Hulk. Le Hulk. Il va arracher ses fringues et il va te prendre ses fringues. Phoebe reviendra plus jamais. Bah si, hein, ça reste une collègue. Hein. Oh mon dieu! C'est Merguez qui va pas très bien. Ah. Lui se téléporte. Tu vas l'observer, tu vas jouer avec. Et tu vas lui parler. C'est long, hein, il faut décrasser. Hein. T'inquiète, t'as bientôt une belle maman qui viendra te nettoyer tout ton parquet. Oh, Toya aussi pue. Décidément. Ah, il va prendre sa baignoire, quoique, il n'y aura pas le temps. Il sera un peu fatigué. Oh là, on va laisser dormir, c'est pas grave, il ira se doucher au boulot. Non. Viens jouer dans ton bain. Viens te toucher la nouille dans ton bain. Un petit peu de détente là, comme ça. Bah, tu vas te réveiller un petit peu quand même. Bon, ça va, ils vont tous aller à l'école presque à l'heure. Donc lui, il a encore une heure devant lui. Tant mieux. Ça, il ira aux toilettes. Aux toilettes. Et peut-être encore plus aux toilettes. Si seulement j'y allais plus, de plus en plus tôt, je boucherais moins les tuyaux. Et merci Miss 49 pour ton follow, bienvenue à toi. Ouais, il est content, mais... Toute la poufringue. Allez, viens manger. Je pense pas que t'as... Ouais, t'auras un petit peu le temps, quand même. Shimba Bluff. Aïe, 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 aïe. Tandoori, 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 il a glissé sur sa CB. Merci beaucoup Tandoori pour l'abonnement offert. Merci énormément. Gros bisous à toi, Smiley Bull. Merci pour le soutien à gorge. Et nous allons évidemment rejoindre Totoya pour son nouvelle journée de travail intensive. Ils sont encore au nombre de 4. Ils sont là de vivre, ils sont vieux. Est-ce qu'il y en a un des 4 qui va clamser? Vous le saurez après la pub. Ça, c'est la scène de crime, parcourir la base de données, discuter des théories. Qu'est-ce que j'ai fait? Non. Parcourir la base de données. Voilà. On va partager... Discuter des théories sur l'affaire. Et aller sur la scène de crime. On verra après. Sauf si on peut aller tout de suite aller arrêter le suspect. On va pas y aller. Ça y est, Toya, il rouspète déjà parce que Jenny fait pas son travail. Mais parce qu'elle habite pas encore à la maison, c'est pour ça.
the Neubadish. Yeah, Dombila, Busiri, Shemaya. Fouiller les criminels. Bah, on va pas les manipuler trop parce qu'ils vont clamser, hein, quand même. Ah! Manon! Manon est venue au commissariat. Oui, on m'a empoisonné. Moi, j'ai dit que c'est mon mari, voyez. Parce qu'en fait, je viens d'apprendre qu'il allait se mettre en couple avec celle qui, avec qui j'étais en rivalité il y a quelques années, voyez, avant qu'on se marie, tout ça. Oui, bien sûr, madame. Mais maintenant, vous voyez, moi, avec mon grand nez, j'arrive à savoir que vous mentez. Hein? Et puis la bave qui dépasse de votre bouche, hein? C'est pas possible. Voilà, on peut pas vous croire, nous. Alors, vous repartez d'où vous venez. D'accord, merci, au revoir. Oui, mais quand même, vous voyez, parce que moi, je veux dire, voilà, je me suis occupée, j'ai fait le ménage et tout. J'ai la chatte éclatée à cause des trois gosses. Et puis voilà comment on m'a remercié, quoi. Non, moi, ça va pas du tout. Je portais plainte. Oui, mais on vous dit que, madame, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein? Vous vous moussez partout, vous êtes en train de saloper le sol. Vous dégagez maintenant, c'est merci, bien soir. Hein. Allez, hein, nous, on a autre chose à faire. Hein. On a des jeunes à tabasser aussi. Hein. Oui, mais quand même, vous pouvez quand même pas dire que, voilà, ne serait-ce que regarder comme que je suis passée, quoi, histoire de mettre mon nom sur le registre, un truc comme ça. Hein? Vous savez, je sais écrire, hein, non? Ben voilà. Finalement. Elle pourra pas porter plainte. Allez, patrouiller. On va plutôt sur la scène de crime. Hein, ouais. J'avais pas vu, je la voyais déjà avec... Non, pas encore, t'inquiète. À chaque fois que tu dis la scène de crime, je pense à crime. Oui, je sais. Ah là là, mon Dieu. Oh, il s'est passé des choses pas très catholiques ici. Mon Dieu. Vous savez que... Au tout départ, quand j'ai eu les Sims, je trouvais cette maison trop stylée. Oh, il y a un petit frigo qui est cramé. Je pense que l'objet du crime est là. Ah! On est chez Manon, Rainbow, qui a le même nom de famille. Alors, c'est celle qui... Alors, c'est pas la même. Hein. C'est la fille de Sakura, hein, qui est donc... La, c'est ça, c'est la... La nièce de Chamallow, donc la cousine de Toya. C'est sa cousine, voilà. Me tromper avec la cousine, mais y'a pas de valeur. Salut Kaidan, comment vas-tu? Je sais même pas que les Sims morts de la maladie de rongeur restent en rongeur en fantôme. Avec la bave à la gueule surtout. Penara Yoboro Shurbag. Ushi, Parsaga. C'est une tenue du CS, alors c'est comme ça que devient un fantôme quand on devient un garçon de rongeur. Bah oui, parce que... Bah ouais. Oui. Oui. Salut Nouz, comment tu vas? Alors, allez, Christophe n'a pas fourni beaucoup d'informations, mais c'est pas Christophe que j'ai interrogé, c'est Manon. Ah non, c'est lui. Bon, on lui a rien demandé, Christophe Williams. Oh, le look. T'as le look, Coco. Oh, Coco, t'as le look. Il y a eu quelques petites scènes de... Hein, chercher des indices. Hein, chercher des indices, là, ça a cramé un peu. Hein. J'ai l'impression qu'il y a eu des pyromanes qui sont venus, là. Ils se sont fait un petit cercle... Ils ont fait des incantations, hein. Manon, elle pleure. Un échantillon de preuve a été ajouté. Un échantillon de preuve. Tu vas demander à elle, hein, la déclaration. Quand même. Manon est en fait Christophe, n'est-ce pas? Et elle, c'est qui? Amélie Denis. On va réinterroger Manon, parce que ça a pas l'air de... Oui, voilà, c'est, on a parlé à Manon, mais c'est Christophe qui a parlé à sa place. C'est normal. Ça va. Alors, Manon raconte ce qu'elle a vu. Prends plus de photos. Tu vas chercher des indices, tabarnak. Il y a quand même pas mal de petites traces de cracram. Voilà.
Il y en a par là. Ah ! Prends une photo du portefeuille. Les pauvres, ils ont se fait cramer le frigo, quoi. Mais c'est quoi, c'est méchant. C'est méchant malfrat. C'est le chauve Christophe le coupable, ça se voit sa tête. Il a fait genre, il habitait là, t'es fait. Y'a personne qui capte que j'habite pas ici. Ah, je pensais, alors c'est l'orage qui a fait ça. Oh, rage, oh, désespoir. Je vais vous laisser les loulous. Bonne fin de livre à tous. Agent 21, boule agent 21, titi coin coin. Titi coin coin. Bah là, il titi coin coin pas trop, là, mais... Il dit bisous, mon soldat. Et grosse merde. Si on ne se revoit pas. Voilà. D'accord. Il n'y a pas une grande chose. Je crois que j'ai déjà exploré. On va explorer dans la chambre. Après, il faut gérer dans la cuisine. Cuisine! Tu vois plus le smile et boule. Non, je le vois. Non. Ah, plus rien. Ah! Tu prends en photo et tu prends en échantillon. Ils ont marché dans quoi, là, pour faire ça? Voilà. Et nous allons retourner au commissariat. Commissariat, ta 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 Là, ça fait 56 minutes qu'on record pour notre Sobéry, donc maximum une heure. Et après, donc ça fait du 23h quelque chose, voilà, à peu près. À peu près. Tant que ça, analyser une preuve, comparer les informations et faire de l'exercice pendant une heure, sachant qu'il a pas trop dormi, on va pas trop s'y risquer. Hein. Les ordis sont pris d'assaut. Nous avons encore nos 4 goglico... Ah! Manon est de retour. Elle va bien. Elle bulle de la bouche et que tout va bien. On va analyser une preuve. Comme ça, on en a 4. Je prends plus celui-là parce qu'à chaque fois, c'est celui-là que les PNJ ils utilisent. Donc. T'as vu, c'était ton mari? Mais il s'en fout. C'est quoi ce look, madame? Vous êtes une civile, mais qu'est-ce que vous faites derrière le comptoir? Vous êtes bizarre, quand même. Non, mais je pense qu'elle essaye de revenir porter plainte, mais il n'y a personne qui veut lui prendre sa plainte. Mais en fait, vous êtes un hamster. D'où vous voulez porter plainte? Maintenant, c'est elle qui tient l'accueil. Elle a une promotion, on dit. Hein, avec sa baffe, par contre, ça risque de graisser légèrement l'ordinateur, le clavier. Hein. Ça a pu être... Ça va glisser. Hein. Ah, c'est pour ça qu'il y en a qui offrent des subs, parce qu'ils glissent, hein, parce qu'il y a trop de baffe sur leur clavier. Ah, j'ai compris. Toute une mécanique, ça. Toute une mécanique. Alors, et comparer les informations, c'est toujours pas libre. Tu vas ajouter des indices, par contre. Qu'est-ce qu'il veut, lui? T'es juste un officier, hein? Tu veux pas nous faire de la concurrence? Parce que là, à mon avis... On va avoir un beau portfolio de preuves, quand même, hein? Au point, tout ce qu'on a ajouté, tout ce qu'on a fait et tout. Alors? Il n'y en a pas un qui veut claquer, s'il vous plaît? Bah oui, justement. Ah oui, bah, comme ça vous aurez les projecteurs sur vous si vous mourrez maintenant. Bah ouais, vous vous ennuyez, faut y aller là.
Faut pas refuser comme ça les portes de la mort, hein. Faut les enfoncer deux pieds devant. Salut Topia, comment tu vas? En ce temps-là, on revoit le bon vivant de Chamcham. De Chamcham, non, pas du tout. De Toya, de Chamcham. C'était son père. Bah alors, Sarah, tu poses des questions et tu t'en vas. Eh bah tant pis. Eh bah tant pis. Encore analyser une preuve, c'est pas vrai. C'est long. Ah mais ils ont rien fait. C'est juste en fait, comment dire. On a fait une prédiction au début de live pour savoir si aujourd'hui l'un des quatre, parce que comme ils sont tous vieux maintenant, si l'un des quatre allait mourir aujourd'hui ou pas. Aujourd'hui et aujourd'hui dans la vraie vie, hein, pas aujourd'hui dans le... Comme ils sont vieux, bah. Ils se tapent sur la tête en plus. Ça fait peur. Qu'est-ce qu'il a lui? Mais ils sont pas normaux, hein, quand même. Ça va, Utopia! C'est! Ah bah, dis donc. Analyse réussie. Ajouter des indices, on va ajouter des indices alors. Astrée, coucou. Coucou Astrée, coucou Astrée. Oh, l'ordi il est cassé. Quel dommage, je pourrais aller plus sur ton MSN, là, je sais pas quoi là. Ah, pardon. Ajouter un indice, il a découvert un indice, c'est au bout d'un moment, on l'a, en fait. C'est moi qui pousse à pas lancer l'avis de recherche, quoi. Parce qu'en vrai, on a tellement, on peut pas rajouter d'autres. Hé, salut Martial, comment tu vas? Analyser une preuve? Non, voilà, c'est un avis de recherche. Comme ça, on arrête les criminels. C'est pas gentil pour les vieux, mais t'inquiète. Ils s'en remettront quand ils seront dans leur tombe. Attendez. Hop là, j'ai la jupe trop relevée. Non, ça, c'est l'effet Martial. Hein. J'ai relevé la jupe pour qu'il arrive. Et puis, il est là. I arrive. I am there. I am very there. Avis de recherche. Qu'est-ce qu'on cherche? Alors, c'est une femme aux cheveux gris qui est maladroite, qui porte un chemisier et un short. Systems, nous allons... On va voir ce que Toya fait. On va voir s'il trouve. Présentement, il a juste envie d'aller se taper une bonne sieste que d'arrêter un susprout. Il a l'air bien au travail, je l'ai pas non plus, du coup je découvre... Ah là, il est très très sympa, t'as trois carrières du coup actives, bon c'est un peu répétitif, mais en vrai c'est sympathique. Oh! Moi j'ai vu quelqu'un, je sais pas vous, mais moi oui. On va rester tard, hein. On va rester tard. Pania Famoana. C'était pas un short qu'elle devait se porter? Un chemisier et un short. Bon, c'était une jupe. Avons-nous d'autres personnes aux cheveux gris dans ce coin? Absolument pas! Au moins, elle a bon goût, elle danse sur la musique des Sims, quoi. T'es fatiguée. Coquine, je me mets dans l'ombre. Mais non, reste dans la lumière, mon petit choupi. Ils ont rien d'autre à faire, c'est des criminels de toute façon. Tout à fait, ils ont qu'à crever. Franchement, que ça donne un peu de spectacle, parce que là... Bah, ma musique, elle est où, Jean-Claude? Oui, elle est là. Ah, bah voilà le short.
Très bien. Interrogez la suspect Pania. Pania comme Pagnac. Attendez. Ah, je pense que ça. On a jusqu'à quelle heure déjà quand il reste tard, je sais plus. Encore une vieille. Ah bah écoute. Les vieux, c'est plus ce que c'était, hein. Depuis que c'est Marie qui s'en occupe, vous imaginez un peu, ils sont obligés d'aller voler, cramer des frigos et tout pour survivre, hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Elle compte pas celle-là si elle meurt. Non, elle comptera pas. C'est la décadence, Marie, tu les tiens pas assez. Il faut les tenir, hein, la tenaille, hein, attention. Hein. Faut les cadenasser dans leur petite chambre. Hein. Après, elle peut crever aussi, notre suspect, mais pas avant qu'on ait prouvé que c'était elle la coupable. Comment elle le regarde, wesh, tu te cannes tout de suite, ouais. Alors, on va faire le méchant policier, on va agiter les menottes, on va décrire les horreurs de la prison. Madame, madame, vous savez qu'à votre âge, je ne vous conseille pas la prison, parce que franchement, déjà, il y a très peu de chances que vous revoyez la lumière du jour en étant libre. Mais surtout, vous allez vous faire violenter. Que vous en aurez pour plusieurs vies derrière. Voilà. Et là, on va avoir du grand Toya. Grand Toya, c'est le flic le plus beau des flics de les Sims. Grand Toya, qu'est-ce qu'il est fort, il aime bien menacer de mort. J'essaye de faire un angle où on le voit bien et on voit aussi les réactions pendant que, comme ça, j'irai me chercher de l'eau. C'est pas mal ça. Allez, c'est pas mal. Vas-y Toya, je te laisse bosser, je sais que c'est toi le meilleur. Oh. Rumi's Quintal Shabish. Joe Baba. Vinoba. Sloyam. Durfna Borb, huh? Rapusa Quintal Bushar Yavanor. Flamber Yabakoi. Ubawa Navari. Kod Pudo. Yeesh. Upitash. Kabufa. Ow. Noya Buva. Nivoy Umazoi. Unk. Ah, then in grave, man's on a voya, Ukarawa Susa Falaru. Dawa Swobin. J'adore. Retinue Squire Marfa. Boba. Squibs. J'adore, il est trop fort. Il est trop fort. Zabara. Skiba. Zabara. Nobi. Mais d'où tu t'excuses que dalle, wesh. Obtient des aveux. Elle est coupable. Yibs, yibs, yibs. Philip Brock Kukuru. Bannon Grabe. Il est trop fort. Il est trop fort, c'est Totoya. Allez, en tôle. Espèce de vieille, sale vieille herbe pourrie. Hein? C'était pas une impro sur le générique de Tom Sawyer? Si, comme d'hab. Affaire classée! La vieille, c'est en tôle. Tu vas y faire de vieux os? Oh, 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 oh. Ah la vache. Allez, va pisser. J'adore la réaction du méchant policier, ça me fait. Ah non, mais elles sont trop fortes, c'est vraiment un. Elles sont trop bien faites, les animations. C'est un vrai régal. Il y en a plein qui n'aiment pas hein, cette expansion, mais en vrai. Oh, ce petit pissou, ça! Allez, je sais que tu peux mieux faire. Ah non, d'accord. C'était c'était le canal. C'était par le canal qu'il fallait y aller. C'était pas par le petit ruisseau. Excusez-moi. Ah, ça y est. Notre petit. Jamie s'est réveillé. Ça va être fini, le calme. Bon, bah alors on va s'occuper un peu de lui, hein. À toi, ya. Ah,
Je pense qu'il finit à 19h, ça sert à rien de le faire monter, faire quoi que ce soit. À la limite, il peut parler au chef. Hé, hey, chef! Je pense pas qu'il ait le temps. Oh, le chef. Viens bientôt claquer, le chef! Est-ce que le chef va mourir avant ses prisonniers? Ils sont toujours en vie, pour l'instant. Peut-être qu'ils ne le sauront plus quand nous reviendrons. Et voilà, 2665 Simflouz. C'est encore une très belle journée de travail. T'as des trucs pour qu'un chat arrête de mordre mon fil de MacBook? Je vais passer le troisième. Ben, ranger. Je sais pas. Moi, quand je le vois qui bouffe mes fils, ben je crie et puis voilà. Hein. Sauf que je ne suis pas là. Oh, c'est quoi cette tenue? Ah oui, je lui avais mis ça avec le bob, j'ai oublié. Sauf que bah, je ne suis pas là tout le temps, donc bah, peut-être qu'il le fait. Chef, il nous a pété le PC, ouais. On n'a pas la réponse du chef? Oh, on n'a pas eu le temps de lui parler! Oh, c'est pas du juste. C'est pas du juste. Tu vas faire quoi avec ta fille? Tu vas lui chanter une chanson. Jour férié. Puis manger. Comme eux-mêmes. Toi, tu vas aller te doucher. Voilà. Toi, après, bah, tu vas aller faire tes devoirs. Parce que comme eux-mêmes, faut faire ses devoirs. À force de dire ça, je vais le dire par défaut. Et ça, je veux pas. Hop. Donc, Toya est en week-end. Sachez-le. Si vous entendez un truc qui roule, ce n'est pas Pierre qui roule. Hein, c'est un jeu. Et au moins comme ça, le petit, il est occupé avec son joujou. Il casse ni les pieds à sa mère ni à son frère. C'est parfait. T'es sûr que c'est un chat que t'as? Je dirais plus un lapin. J'avoue. J'ai de la chance, mon chat ne me mord pas les câbles. Par contre, c'est une emmerdeuse. Après, ça dépend de l'âge aussi. Hein. Tu passes toujours par l'âge un peu con, hein, des chatons qui bouffent tout et qui cassent tout. Quoi. Mais tu sais quoi, Sarah? Ce matin, j'ai chopé un Dracaufeu. Il est arrivé comme ça dans Pokémon Go, j'ai fait... Mais c'est mon premier, j'avais pas encore fait évoluer mon Salamèche. Donc ça a été mon premier Dracaufeu. Il est pas terrible, mais c'était mon Dracaufeu. Et je fais qu'est-ce que c'est que ça? Juste avant, j'ai chopé un Salamèche, et puis il y avait un Dracaufeu dans mon téléphone. Maintenant j'ai un Dracaufeu. Moi, un rongeur, j'avoue. J'étais genre mon chat brisé, trois haut-parleurs et trois fils de MacBook, mais quelle horreur! Bah, il faut que ce soit pas accessible, parce que sinon, il faut mettre en hauteur, je sais pas. Les miens n'ont jamais fait ça. Mais moi, le mien, Jamie, de temps en temps, il bouffe les fils, hein, mais je lui dis non. Donc après, qu'il écoute ou qu'il écoute pas. Hein. C'est le même prix. Elle a mis sa jolie petite robe de décoration d'intérieur. J'en ai 10 shiny sur bouclier. Je sais pas, je parle pas le bouclier. Moi je parle qu'en Pokémon Go. Hein. Voilà, il y a que comme ça que je joue au Pokémon. Moi je m'en fous après les restes. J'y connais rien déjà alors en plus. T'as un Dracaufeu de la baisse. Mais t'inquiète, j'ai un Salamèche qui est super bien en IV. Qui est quand même 3 étoiles et tout. Il est vraiment bien. Il doit être dans les 90%. Juste j'attendais de voir si j'avais pas mieux pour le faire évoluer. Mais ils sont bons là. Parce que en fait, j'ai même pas les starters de base. J'ai même pas Herbizarre. Herbizarre? Non, Florizarre, pardon. Et j'ai même pas Tortank. Mais comme là, ils remettent plein des starters de trucs de la première génération, ben ça permet de combler les vides que j'ai pas. Enfin, de ceux que j'ai pas. Donc il faut que je fasse. Choper par eux-mêmes avec TC, si tu veux.
Moi, c'est du 5 étoiles avec talent. Je ne sais pas de quoi tu parles, je connais pas. Je suis désolée. J'ai dit, moi, je connais que Pokémon Go. Moi, je joue qu'à Pokémon Go, le reste... Mais non, les enfants, ça meurt pas de faim. Ça meurt que noyé. Tiens, regarde, il y aura à manger les gnocchis, là. Ah, mais papa, il est pas déjà parti se coucher? Mais papa, il faut que tu recrutes ta future femme de ménage. Oh là là, il t'a pris du grand. Oh là, tu fais pas rêver, là, Jean-Claude. Ça va pas du tout, ça. Alors, je voulais aller faire ce... Comment dire? Faire d'aller de la nage, mais il va pas aller nager, sinon il va se noyer. Tu vas appeler Jenny on the block? Oh, Madeleine, ouais, bah non, mais c'est Jenny. Appelle Jenny. Tu lui demandes de venir avec ses valises, hein, parce que là, elle va rester. De toute façon, la G1, c'est la meilleure, j'en sais rien, en vrai. Il se laisse aller, bah... Elle va faire un petit peu de course. Hein. Hey, Jenny! C'est pas une vie, ça. Et elle aussi, elle va se coucher. Mais oh, mais non. Mais va manger, fais quelque chose de ta vie. Oui, t'inquiète, il y a belle maman qui arrive. Elle va faire le ménage. Vous devez tellement me détester. Ah, c'est l'heure de la pub. Oh, la belle robe. Oh, les beaux nénés qui pointent. Oh, regardez-y. Ah ouais, alors allez, tu vois. Hein, c'est ça, j'espère que je me le tape. Hein. Ça fait quelques années qu'elle l'attend. Et il y en a comme ça, ils sont amoureux et ils attendent, et ils attendent, et ils attendent. Quitte à se mettre en couple avec quelqu'un d'autre entre-temps. Hein. Ils sont amoureux. Une robe vraiment... Enfin, la maison va être propre. Ouais, regarde. Ah, vas-y! Si tu veux, on a un aspirateur pour toi. Il est où son aspirateur? Regardez! Regarde là, les enfants, ils ont besoin d'une maman. Hein, pour faire le ménage, tout ça. C'est horrible, je suis horrible. Oh là là! On est dans les Sims. Hein. Bien sûr que non, que je pense pas ça dans la vraie vie. Hein. Je vous rassure. Hein. Après Pokémon, c'est mon enfance, j'avais 11 ans quand c'est sorti. Je suis pas une accro non plus, c'est juste que Dracaufeu, j'ai bien accroché. T'as dracoché? Non, en même temps, c'est un dragon, donc forcément, voilà. Quand tu vois Dracolos, qui fait plus Casimir que dragon, alors que les mini-Draco et les Dracos sont super cool, et ben c'est déception. C'est Dracolos, pour moi, il est... Ben, il est tout orange là, il a une tronche de Casimir, je n'aime pas. Alors que Dracaufeu, il est balèze, tu vois. Il est quand même assez fortiche, et il en impose, tu vois. Il est orange, mais c'est pas forcément ma couleur préférée. Mais ça suit avec les trucs de base. Donc, ça y est, il est reviendu. Regarde, Jenny, elle est là. Tu vas lui parler, ta Jenny. Tu vas lui compléter en tenue. Oh là là, quelle belle robe, ma Jenny, Jenny on the block. Yes. Regardez qui est là. C'est petit Jay mignon. Regardez comme il est grand. T'es fini de te passer dans le soutif, hein? T'es trop grand pour rester dans le soutif, chaton. Tu nous regardes? C'est quoi? Non! Mais je t'ai demandé de faire des grimaces, elle est où?
Fait une conversation profonde. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, direct, t'avais une côte qui sortait là, tu m'as fait peur. Parce que comme il se cogne partout, lui. Oh là là. Oublie pas la pub, tout à fait! C'est une pub de 30 secondes, donc bien sûr, je remercie toutes les personnes qui verront la pub, puisque ce sera grâce à vous que je pourrai payer enfin des croquettes à cet enfant qui meurt de faim, comme vous pouvez le voir. Merci. N'hésitez pas à mettre dans le chat que vous avez vu la pub. Comme ça, ben, vous aurez une croquette en votre nom pour ce petit enfant. Merci. Il se dit, oh, punaise, j'aimerais bien me la faire, celle-là. Je suis pas très en forme ce soir, mais... S'il y a moins que je la... Hein? T'arrêtes un peu? Oh, tu te calmes, Jamie. Il est pas possible ce chat. C'est un vrai chat. Jamie avec deux M. Non, c'est pas comme ça que ça s'écrit. Ah bah voilà. Il est tombé. La fatigue l'aura eu. Oh, voilà, gros plan sur les fesses. Hein. Tout à l'heure, on voulait un gros plan sur les fesses. Instant ASMR. Il me fout son nez dans ma narine, il est malade. Merci beaucoup Cathy pour la pub, merci énormément. Il m'aime, non. Ah, Merguez, c'est parti se faire un petit trip dans l'atmosphère. Elle est où? Ah bah, elle va se faire. Et c'est là que le destin va encore frapper. Sa copine est de nouveau... se fait bouffer par Merguez. Le destin cruel des femmes de Toya. En fait, c'est... Ah, mais il me mord. Non. Non. Toya, c'est Merguez, il est amoureux de Toya, et donc... Et tu vas aller par terre. Hein. Et donc c'est Merguez qui veut se marier avec Toya. Il veut pas qu'il y ait des femelles dans son... En fait, c'est même Merguez qui a tué Roger. Tout est lié. Merci Elodie pour la pub. C'est pas ce soir qu'il va conclure. Oh, je sais pas, tu sais. Tu vas dormir, wesh. Il y a encore 2 heures du mat. T'es un malade, hein, Jamie, tu le sais, ça. T'es malade dans ta tête. Hein. T'es pas fini, toi. Non, arrête! Mais t'es malade ou quoi? Bon, bah, elle va dormir parce qu'elle a pas voulu. Voilà, il passe un petit peu. Merci, Kaliak, pour la pub. Merci beaucoup. Je trouve ça apaisant, les ronrons des chats. Allez, viens, je vais vous faire une cure. Pourquoi tu te lèves, toi? Bon, ça suffit. Oui. T'as vu ta tête un peu? Montre ta tête. Montre ta tête aux gens. Voilà, mais là, tu fais pas la même tête, là. Il y a trop de lumière. On voit pas ta tête. Voilà. Merci Lugakash pour ton follow. Merci beaucoup. Grâce à toi, cet enfant pourra manger ce soir. Tu vois, il a faim, il mange mes doigts. Eh oh, t'es malade. Je vous dis qu'il est, intenable. Il est intenable. Petit Kang. Espèce de guimauve. Qui en veut? 25 000 euros. 25 000 euros.
Pour l'instant, il a tout ce qu'il faut où il faut. Si vous voulez, il faut qu'il ait des petits. Allez, des bisous. Ciao. On va voir ailleurs si j'y suis. Et si j'y suis, tu m'y laisses. Mais il est où? Les Sims qui ne font pas leur nuit. Mais toi, tu fais quoi aussi? Ah, lui, il a fait sa nuit. Voilà, on a trouvé un homme de ménage. Et on a un petit lapin qui s'excite. Alors, je vais attendre que... Voilà. On a 1h25. On peut rapidement faire le samedi, là. On va peut-être aller à la plage. C'est le week-end. Toya ne travaille pas. Les enfants ne vont pas à l'école. Donc, on va aller à la plage. Parce que moi, j'aime bien aller à la plage sur... dans les Sims. Bientôt 100 000. Ah bah écoute, faut bien rentabiliser. Hein. Qu'est-ce que tu fais debout, toi? Oh, dis... Hé, je t'entends dire des saletés, là! 8h du mat, ils savent pas ce que c'est, les grasses mat, les gossins. Ne faites pas d'enfants. Jamais. Il vient gratis avec son papa. Il faut pas lui demander des câlins, elle vient que pour la bouffe. Et salut à Lukagash. Lukagash, pardon, excuse-moi. Ça va bien et toi? Ah! Nous avons Merguez qui n'est pas très. Hein? Qui n'est pas très. Donc je vais envoyer un enfant qui nettoie sa cage. Non seulement ça fait monter la responsabilité, et surtout, il ne pourra pas le tuer. Donc c'est bien. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de mort aujourd'hui. Et je pense pas. Du coup, la prédiction ne sera pas... Enfin, il faudra y répondre, mais c'est-à-dire qu'il n'y aura pas eu de mort parce que nous n'allons pas aller au travail. En ce moment, je joue avec ma Simsef pour la carrière déco, et elle se lève en plein milieu de la nuit pour aller voir sa déco. Ah bah dis donc. Il y a encore un vieux nuage vert, vous l'avez vu? Il est mort ou quoi, la merguez? Regardez. Ah non, c'est bon. Qu'est-ce qu'elle me raconte, celle-ci? Elle sait pas que j'ai tué sa mère? Qui est con? Incroyablement dégoûtant. Ça commence à devenir un problème. Hein. Il nous faut une femme de ménage. Hein. Comme même... Toya, il faut que tu te, faut que tu ramènes Jenny. On va se faire bouffer par la poussière. C'est pas possible. Ah, rien, si tu mets du tien, ça va aller mieux après. Promis, juré, craché. Mais dans l'évier, craché, sinon ça fait c'est sale. Je vais enfin pouvoir récupérer mes points. Ah ouais. Bah, bon, fallait pas les jouer alors, Guillaume! Si tu voulais pas les perdre. Ça, c'est le jeu, hein, ma pauvre Lucette. Hein. Allez, je vais répondre à votre... à la prédit. C'est où? C'est où la prédiction? Ah oui, c'est là. Choisir le raid de la prédiction, donc... Un mort dans la cellule aujourd'hui. Eh ben non, vous étiez à 71%. À choisir le nom, et c'est un nom, bien sûr. Il n'y a pas eu de mort dans la cellule. C'est triste, mais c'est la vie. Pas de soucis, Marcel, t'inquiète. Mon petit piquet, tu peux aller manger? Non, ouais, oh. Non, 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 non. Arrête, c'est bon. Il y a trois trucs de poussière qui se baladent. Oh là là, mon fils doit aller dans le frigo. Quel enfer. Je dois gueuler pendant 3h30 au moins avant de pouvoir taper dans quelque chose parce que j'ai la faim. Pas de soucis. Influencer les manières. Entre influencer les manières et influencer les manières, et ben influençons les manières.
La dernière fois, j'ai quand même perdu 30 000. Oui, mais bon, oui, comme dit, c'est pas grave. C'est des trucs qu'il faut... Tant qu'il vous reste des points pour vendredi, ça devrait aller. Oh, Ricardo! Merci beaucoup, mon petit Ricardo, pour ton 17e mois d'abonnement. Mais quel enfer! C'est très long, tout ça. Je vais devoir arrêter maintenant. Vous savez que mon maximum, c'est 20, hein. Comme mon chiffre d'année, hein. Après, je m'arrête, hein. C'est-à-dire qu'au bout de 20 mois, j'arrête tout, hein. Twitch et YouTube, n'hésitez, ne vous inquiétez pas. Ça va faire du bien à la planète, tout ça. Merci beaucoup. Gros bisous à toi. Smile et boule, et merci pour le soutien-gorge. Évidemment, toi-même, tu sais. Ah, il n'y avait pas encore eu de rébellion par ces enfants de salopios. T'as déjà dépassé? Ah non, je parle sur Twitch. C'est le maximum, c'est 20 mois. 20 mois après, j'arrête. C'est fini après. Eh, tu nettoies! Pomme-pouille, pommeau de douche. Et le Hulk. Non. Si tu veux te rendre utile, tu fais le ménage. Voilà, tu vas marcher dessus. C'est quoi ça? Depuis tout à l'heure, je vois une tache là. C'est quoi ça? On dirait une empreinte de pas. Voilà aussi, hein, tu me diras. Oui, il y en a un peu partout. Et puis après, on va à la playa. Oh, oh, oh. Et toi aussi, là, regarde la télé, là. Hop. Tu me nettoies ça. Toi, on va aller se bronzer grain. On va faire une pétition pour pas que tu arrêtes. Oh. J'espère. Non, moi, si Macron, il signe pas, je fais pas. Je vous débrouille, hein. Mais Macron, faut qu'il signe. Sinon, ça sert à rien. Je veux qu'il fasse une vidéo sur ma chaîne avec moi où on va jouer aux Sims, ok? Il va faire la carrière politique et on va voir s'il y arrive, ok? C'est comme ça. Moi, je fais un feat comme ça avec le président, ouais, comme ça. Et si on atteint les 10 millions de vues, eh ben... Il montera son cul. Tu sais, c'est lui qui m'a dit. Alors, voilà, plage. Une usurpation d'identité. Oh là là, ça va être pour aller en tôle, ça. Alors, notre plage, c'est celle... Ouf. On va aller là. Oh, mignonne, la petite. Mignonnette. Avec les trois mouflés. En vrai, il y a un truc à faire avec lui. Bah écoute, n'est-ce pas, hein. Je vais aller la rebaser sur Twitter. J'ai wesh gros. Quand tu veux, toi-même tu sais, la communauté Sims, tu vois. Oh non, il pleut. Oh, c'est trop nul. Oh, vas-y, on va à la plage alors que ça flotte, quoi. Pff. On va faire du tir au pigeon, rien, il y en a un là. Bon, bah... C'est trop nul. C'est pour toute la journée ou bien quoi? Forte pluie, mousson. Super! Bon, je m'en fous, hein. Tu vas nager quand même. Allez, nagez! Tout le monde à l'eau! De toute façon, vous serez mouillé dedans, vous serez mouillé de dehors, c'est pas bien grave. Chez qui? Chez moi ou chez toi? Oh. Je voulais qu'il fasse un peu de sport parce que bon voilà quoi. Par contre, il est loin devant ses gamins. Ah, c'est le petit, le Hulk qui dépasse ses sœurs.
C'est pomme pourrie qui est derrière. Pomme d'api, pardon, pas pomme pourrie. Et niveau 7 de fitness pour Toya. Ouais, tu vas éclabousser tes enfants, puisque c'est comme ça. Ils sont nés aussi par une éclaboussure, alors pourquoi pas. Finalement. Qu'est-ce que ça fait? Regardez là, les petits là, ils vont faire du tuba. Oh, c'est mignon. Pour leur apprendre la vie. Apprendre à nager à quelqu'un? Ah bon? Lancer une rumeur grotesque. Ça va pas, toi, hein? Apprends à nager. Je savais même pas qu'on pouvait faire apprendre à nager. La plage, ma phobie. Ah ouais. Ah, je comprends. Il y a des fois, il y a des trucs, laisse tomber. Oula, hé, c'est comme ça que t'apprends à nager, Moi, je sais pas nager, c'est pas ça que tu vas m'apprendre, hein. La pluie cesse. Ils ont une drôle de façon d'apprendre, hein. Bon, allez, tu vas nager. Tu vas nager. Et pomme de pi, pomme d'api, pomme d'opi, là, je sais pas quoi. Ah, la faim, elle aussi, maintenant. Et tu vas éclabousser. Et tu vas éclabousser. Oh, il y a un coquillage là. Soufflez dans la conque. Et dans pas autre chose. Enfin, la plage plutôt la merde, pas savoir ce qui se passe en dessous qu'elle voit. Non mais je comprends, je comprends. Même que des fois quand tu vois ce qui se passe, c'est pas forcément. C'est pas forcément ce que tu voudrais voir, quoi. Ah, trop bien, il a soufflé dans la conque. Tant qu'il t'a pas soufflé dans les bronches, j'ai envie de te dire. Bon, Toya, il nage. Il va droit dans le filet. Il y a quelques damoiselles. Oh! Mais c'est pas vrai, mais celle-là, elle est partout! Mais qu'est-ce qu'elle est chiante! On peut pas faire un live sans qu'elle se montre, hein. Oui, aïe, 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 aïe. Des fois, il y a des mélanges. Ouais, c'est mieux la pêche. Alors, s'il y a bien un truc qui m'emmerde, c'est la pêche. Ça, non, j'y arrive pas à ça. Des bisous, Marie. Bonne soirée, bonne nuit. De toute façon, ne vous inquiétez pas, on va bientôt finir. C'est juste histoire de passer le samedi avec eux. Comme ça, on commencera la semaine prochaine, ben, par dimanche. Ah, sans bonne. Ah, c'est incroyable, ça. Eh, mais il y a quelque chose dedans! Oh, j'ai jamais vu qu'il y avait quelque chose dedans. Vas-y, relève le piège. Non, mais va pas parler à la moche, là! Et il croit quoi, lui? C'est bien, je suis installé, mais aucun poisson. Bah, si, je le vois, moi, qu'il y a un poisson là-dedans, regardez. Ouais, je peux quand même pas. Ça, c'est quoi, ça? C'est ma cousine ou quoi? Bon. Un poisson. Oh, elle est toujours en train de... À moitié nue, là, à se dandiner. À la se dandinite. Tu vas revenir là? Tu vas nager ici? Ils font quoi, les gosses, en même temps, les gosses? Les gosses, on les met... En fait, comme les gamins ne peuvent que mourir noyés,
On va les laisser au milieu de l'eau, puis on va attendre que le temps fasse son œuvre. Regarde ça. Une meuf un peu mignonne, et ils sont tous autour en train de... Ah ouais, t'as vu, moi j'ai des pecs, ah ouais, moi aussi j'ai des pecs, ah, moi aussi j'ai des pecs. C'est Sims, quelle allure avec ses fleurs dans les cheveux, ses cheveux au vent, une vraie sirène. Oh, j'aurais dit vieille baleine, moi, mais chacun son trip. Hein. Ouais, il y a une belle meuf, ils sont tous autour. Et merci Zizo pour ton follow, bienvenue à toi. On est à une dizaine de follow des 2600. Ok, pas de soucis, Guillaume. Bon, on est à la plage. Et il repleut. Oh là, la texture. Non, je veux que tu retournes là. Voilà, tu verras ta sœur une autre fois. Elle va venir à la maison, elle aussi. Regardez, des poules d'eau! Oh mon dieu, prochaine EP! Des poules d'eau. Prochaine sortie Sims. Il y aura des poules, moi je vous le dis. J'ai vendu la mèche. Et mes gosses, ils sont... Ah, ils sont là! Vous avez pas pris le bon chemin, là, pour avoir pied. Parce que... Vous pouvez rien faire d'ici, vous allez quand même crever. Bon, il y a de la savane et tout, hein, mais bon. Sauf si vous arrivez à aller là, peut-être que vous aurez des secours. Ouais, si, ça va. Vous serez pas perdu. En vrai, ça va. Ça va, il y a pire. Allez, tu vas te bronzer. Se faire bronzer, ben on peut pas. Oh, tu vas te détendre. Profite de ton petit week-end. Sueur et bonheur. Ah, quelle énergie. Cet élan d'adrénaline permet à Toya de se sentir incroyablement bien. Doit-il comprendre, à ses bras étonnamment sculptés, qu'il aime le fitness? Alors, est-ce que Toya aime le fitness, oui ou non? Sachant qu'il est, je crois, paresseux dans ses traits. Oui, il aime quand même le fitness. On est à 4 oui, 5 oui, 6, 7. C'est un full. 8. Il aime ça, le fitness. Sueur et bonheur. Allez, il aime le fitness. Fais gaffe les enfants, il y a... Il y a un type un peu louche qui se balade avec son bateau, là, pas très loin. Vous êtes des enfants sans aucune défense. J'ai pas confiance, moi. Mes pauvres gosses, ils vont se faire violer. Alors que Toya... prend son temps. Il était beau hein, quand il avait bronzé. Il se peut toujours pas bronzer. Il peut pas te vendre. Bon, il y a du soleil quand même maintenant. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est un bout de bois. Dans ce sens-là, je pensais que c'était une sculpture. Je dis, bah, c'est bizarre, il n'y a pas de socle, entre guillemets. Quoi. Alors, tu vas pas jouer sous la pluie. Tu vas faire une sculpture de sable. Toi aussi, tu vas faire une sculpture de sable. Et toi, tu vas faire une... sculpture de sable, évidemment. Faire manger, allez. Un petit peu de grillade, et qu'est-ce que tu nous fais de bon? Bah de la saucisse, évidemment. Qu'est-ce que serait le monde sans la saucisse dans les Sims? Tu sais, il est tranquille en train de bronzer pendant que ses enfants sont loin en train de... On ne sait pas quoi faire. Bah oui. Hein. En train de se faire agresser par des prédateurs. Ah, ils reviennent, les gosses. Oui, Dahlia, oui, si tu veux, ouais. Et niveau 9 de cuisine, quand même. Hein.
Oh, Choripan. J'en veux. Je veux pas goûter au Choripan. Voilà. Maintenant les gosses sont là, ils font tous un châtal de sable. Voilà qui aura le plus beau. C'est bientôt l'anniversaire de Baline. Ouh, notre premier ado. Shave a day. Comment, c'est quoi garnir? Vas-y, garnis. Ouais, ça fait rien du tout. Ils ont senti la bouffe, c'est ça. Comment tu l'as rendu moche, ce sim, c'est pas possible. Oh, non. Je ne suis point d'accord. Après, tu pourras manger, toi aussi, et toi, j'imagine que tu auras faim également. Pour l'instant, ça ressemble à rien, elle a fait une tortue. Elle a fait un caca. Et lui fait un trou de cul. Là, il y a le caca qui sort du trou de cul, mais lui, il a que le trou de cul. Ah non! Ouais, il fait sortir des trucs bizarres, il en dirait un... Bon, bref. Une totue! Ouh, quelle est belle la totue! Bravo, la totue! Dopaline. Ah non, c'est une tête de... Une tête de requin avec un gnome dedans. Oh, il a fait un châtal! Bravo! Quel beau château! Magnifique! Ils sont créatifs, nos gosses. Pas... On a trois enfants, on a eu trois sculptures différentes. C'est beau, c'est la vie. Shavy, Mikobies? Je suis d'accord. Elle a foutu en l'air le truc, elle! Mais qu'est-ce qu'ils font, eux? Sauté. Bon. Tu veux bien inviter Jenny on the block? Ah, elle peut pas. Bon, bah tant pis. Eh ben, on va rentrer, alors. C'est comme ça, la vie. Luluk, il a fait son futur châtal, c'est ça. Et on va rentrer à la maison. Avec les trois chiards. Les trois enfants. Bonne nuit, Nako. Des bisous à toi. À très bientôt. Ciao. Dès qu'il y a des bottes, ça sent la rue. Oh, on les envoie au lit. Ah oui, il fait quand même vachement plus jour là que qu'à San Sulani là. C'est tout à fait normal quand on rentre dans la plage, on est tous en maillot de bain dans la rue. Oh là, il y a eu quelques morts ici, quelques-uns. Mais tout va bien. Ok, et eh ben toi tu peux aller te doucher. Bah ils font ce qu'ils veulent là maintenant, je veux dire. Attends, lui et elle. Ah, la course entre Opaline et le Hulk pour la même baignoire. Alors que nous avons aussi deux douches. Qui va gagner? Les paris sont ouverts. Non, je peux pas faire de prédiction. Pour l'instant, le Hulk est en tête. Mais Opaline perd de la responsabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Et lui aussi? Ah. Elle abandonne. C'est un abandon de la part d'Opaline. Elle rebrousse chemin. Finalement, le bain ne sera pas pour elle. Elle laisse son frère gagner. Alors que la petite sœur vient à peine de se rendre compte qu'elle devait aller aux toilettes. Oh, que des râleurs.
Hop. Et toi, si tu pouvais pisser dans la baignoire, ça arrangera tout le monde. Salut Sean, comment tu vas? T'arrives un petit peu à la fin. Ils sont restés groupés dans la... même dans la tombe. Bah oui, hein, ça s'appelle un caveau. Ils se sont créés un caveau tout seuls. Ils sont venus mourir au même endroit. Ah bah écoute, t'as une toilette là, mon biquet. Fais-toi plaisir, hein. Relâche la pression. Voilà, voilà. Eh ben oui, on va se mater un petit film ensemble en famille. Allez, regardez un film. Massacre au clair de lune avec les enfants. Rien de mieux, bien sûr, pour se mettre dans l'ambiance un samedi soir avec vos gamins de 8 ans. Ah, tu rentres du resto, pas de soucis. Bon, t'inquiète, t'as pas loupé grand chose, mais ça va, on a été, c'était cool. Oh, bah, je me suis mis bien sur pile, là vous voyez pas les personnages. Tabarnak, le Coris. Tais-toi, assis-toi, regarde les zombies. Vous voyez pas, hein, c'est un truc de fou. Ça, on va traumatiser les gosses. Pourquoi il y a un canapé d'eau à la télé? C'est pour qu'il fasse face à la baie vitrée surtout. La télé c'est accessoire. Alors qu'en vrai la baie vitrée elle est trop cool. Voilà. Si on a une belle vue comme ça sur le jardin et tout, et que c'était beaucoup plus joli d'avoir un canapé qui faisait face, qui tournait le dos quoi. Une petite histoire de zombies? Vous voulez des zombies? Simba Watch. Skuma Planante. Jason. Quelqu'un qui a frappé? Bah Melba, qu'est-ce qui t'arrive? T'as eu un petit accident de montgolfière? T'as avalé un ballon? Bah viens, bah pas se faire ménage alors, cocotte, si tu veux. Même que de regarder un film d'horreur avec des enfants, vous allez dormir. Bah bien sûr. Bah alors, quand est-ce que tu mets bas, ma cocotte? Qu'est-ce que tu fais? Rentrer à la maison. Mais t'es déjà chez toi, idiot. Il a pas capté, lui. Alors, quand est-ce que t'accouches? Bah, dans pas longtemps, mon ami. Mais... tant que tu salues pas notre canapé avec tes vieilles os pourries, là. Tes os de bras, hein. C'est lui le papa. Mais bien sûr! Ils sont frères et sœurs. C'est sa sœur, ça. Ah, pas bien, non? Comment? Pardon? On a une combustion spontanée du tapis? Merci beaucoup Panda pour ton follow, bienvenue à toi. Combustion spontanée du tapis, ça s'accase à la poussière, voilà, ça c'est Manon ça. Manon, elle a pas fait le ménage avant de crever. Oh! Fille du démon! Elle ne craint rien! C'est une Targaryen un petit peu, je crois, sur les bords surtout. La fille du démon ne craint rien face aux flammes!
Alors, vous inquiétez pas, hein, moi non plus, j'ai pas suivi. Attendez, je sais même plus où c'est. Ah! Mais va... Moi, je t'avais demandé d'appeler les pompiers, hein. Jouer dedans. Oh bah oui, c'est tellement drôle de jouer dedans. Ni vu ni connu, hein. C'est pas grave. Elle a cramé. Ah mais comment? Comment ça, les gosses, ils peuvent cramer maintenant? Mais c'est une merveilleuse nouvelle, ça. Ça signe en game over, il y a tout le monde qui crame, tu sais. Bon. La tenue parce que ça fait un peu chaud. Ah bah oui, c'est les flammes de l'enfer quand même, faut pas oublier. Hein. C'est la fille du démon, c'est normal. Bon, très bien, très bien, très bien. Ce que je vois, nous avons quand même... Il y a du level dans cette maison. Hein. Opaline, tu vas venir nettoyer un peu? Nettoyer le sol. Bah, c'est dans la chambre de pomme. Hein. Vous vouliez une pomme flambée? Pourquoi? Je pense que c'est à cause de la poussière. La poussière qui est là depuis trop longtemps, ben ça prend feu. J'essaie avec mes gosses demain si ça marche. Pas les vrais cocos. Hein. Prends ceux des Sims, je pense que si tu utilises les vrais, ça va pas bien se passer. Alors ça, j'avais su... Que normalement, oui, effectivement, la poussière, c'était des lapins surtout qui pouvaient donner feu. Mais là, j'ai pas vu de lapin, quoi. Il y en a un ici. Vas-y, marche-lui dessus parce que... Saleté, là, il va foutre le feu aussi dans la chambre. Et ça va pas le faire. Ah merde, j'ai oublié, il y a la gamine dans la baignoire. Oupsie. Ah ouais, ça y est, ils peuvent mourir par le feu maintenant, les gosses. Parce qu'à une époque, c'était que noyade, hein. Mais c'est une super nouvelle, ça. On peut enfin cramer ces enfants du démon. Depuis quand la poussière prend feu spontanément? Bah écoute, depuis... depuis que... Ok. Je vais plutôt garder mes distances, tente de marcher sur un monstre de crasse et se dégonfle. Toya a envisagé de s'approcher... Attends, reviens Jean-Claude. A envisagé de s'approcher du monstre de crasse, mais a changé d'avis après avoir avancé de quelques pas et reçu un regard menaçant. Certaines créatures s'observent mieux de loin. Oh merde! Oh, j'ai négligé les moutons, hein. Enfin les lapins. Bon, en tout cas, tout le monde est encore vivant, sain et sauf et... sont partis se coucher. Écoutez, c'est une très bonne fin pour cet épisode, je pense. Je vais sauvegarder ici. Et c'est là qu'on va se quitter pour aujourd'hui, pour le Not So Berry. On se retrouve donc la semaine prochaine, mercredi à 20h, comme d'habitude, pour la suite. On fera venir notre petite Jenny dans la maison et elle s'occupera du ménage parce qu'elle est soignée, donc automatiquement, je pense qu'elle le fera d'elle-même, même si, voilà, mais... Elle fera ce qu'elle voudra si elle veut faire le ménage, mais ça nous arrange. Si elle peut le faire. Et donc je vous remercie YouTube pour avoir regardé cette rediff. Et on se retrouve très très bientôt en vidéo ou en live. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. Gros bisous à vous tous. À très bientôt. Ciao.